Bien tout le monde, ça fait Nuri, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais juste avant cela, je tenais à faire un point avec vous concernant l'avancée de mon manga, car oui, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, je l'avais annoncé dans mes précédents lives, mais également sur mes réseaux sociaux, que j'avais pour projet de réaliser mon propre manga avec l'aide du frérot Darkro qui remet tout au propre avec sa patte graphique de fou, car moi, voilà, je suis l'auteur, le scénariste, je fais des croquis, je fais des brouillons, je les transmets à Darkro qui, lui, avec sa patte graphique, me fait un truc de fou. Mais pour faire des brouillons, etc., il me fallait une tablette, et de préférence une tablette à écran. Eh bien, je remercie XP Pen de m'avoir envoyé une tablette écran seconde génération, la Artist 16 Pen Display. C'est un truc de fou, les amis. Donc vraiment, merci à eux de leur confiance. Vous retrouverez bien évidemment toutes les informations, mais également le lien pour avoir des réductions dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, du 16 août au 16 septembre, c'est l'anniversaire de XP Pen. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Je commence à prendre vraiment beaucoup de plaisir. Même le frérot Darkro, du coup, ça lui facilite la tâche. Tu vois, il arrive à comprendre maintenant ce que je veux réellement au niveau de mes idées. La voici, les amis, la tablette. Franchement, elle est sublime, elle fait 15 pouces, donc elle est vraiment bien balèze. C'est accompagné d'un stylet, et pas n'importe lequel, un stylet à puce intelligente X3. Alors ça veut dire quoi? Comme vous allez pouvoir le constater à l'écran, en fait, plus vous allez appuyer sur votre tablette à l'aide du stylet, plus vous allez avoir un trait qui va s'épaissir. Ça vous permet de travailler en toute liberté avec une approche similaire d'une feuille de papier accompagnée d'un feutre, d'un stylo ou d'un crayon. Voilà, vous pouvez exprimer votre talent en toute liberté avec cette nouvelle technologie X3. Donc franchement, ça c'est plutôt cool. Également au niveau des connexions, la tablette, vous pouvez la brancher en USB-C complet, ou après vous avez même l'HDMI. On va rentrer dans les termes un peu techniques également. Vous avez une gamme de couleurs 90% NTSC, 127% sRGB et 94% Adobe RGB. Maintenant, on va passer justement à mon dessin. Alors attention, je tiens tout de même à préciser que je suis pas Akira Toriyama, d'accord? Je vais essayer de vous faire un Majin Vegeta, mais je suis pas non plus le meilleur des dessinateurs, d'accord? Moi, ça faisait plus de 20 ans que j'avais arrêté de dessiner, donc là, j'avais envie de reprendre justement pour le projet que j'ai sur la réalisation de mon manga, et avec l'aide du frérot Darkro qui me donne énormément de conseils et de soutien, eh bien, j'essaye justement de reprendre la main, tout simplement. Donc là, je vais vous faire un petit truc vite fait, hein. Faudra pas croire qu'il va y avoir des ombrages, etc. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, cette fameuse tablette. Je tiens aussi à préciser que vous allez pouvoir bénéficier d'un code promo de 5% pour avoir justement cette réduction sur tout le site de XP Pen avec le code SOFIAN5, valable du 16 août au 4 septembre. Comme j'ai pu vous le dire, c'est l'anniversaire de XP Pen, et je tiens même à préciser le 17e anniversaire de XP Pen. Donc voilà, autant vous dire, au bout de 17 ans, je pense que voilà, maintenant ils maîtrisent leur sujet. Donc voilà un petit peu le Majin Vegeta que j'étais en train de faire. On va essayer également de mettre de la couleur, parce que voilà, c'est bien beau, là pour l'instant je fais en noir et blanc. Mais ce qui est vraiment très intéressant avec cette tablette, c'est que vous pouvez y ajouter de la couleur. On peut zoomer, on peut justement avoir l'approche du détail bien différente de ce qu'on peut faire avec une feuille, par exemple. Ça, ce n'est pas possible. En termes de compatibilité également, c'est compatible à partir de Windows 7 jusqu'au dernier Windows. C'est compatible également avec les Mac, OS, Android, Chrome, OS 88, Linux, etc. Donc là-dessus, pour la compatibilité, vous êtes tranquille. Et surtout, ce qui est intéressant, comme vous pouvez le constater sur mon écran, c'est entièrement laminé, donc anti-reflet. Le fait que ce soit anti-reflet, c'est très bien, comme ça au moins t'es pas embêté par la lumière ou quoi. Donc voilà, je vous montre un petit peu, voilà, je mets de la couleur, etc. Je vais pas aller dans les détails parce que je peux pas vous, non plus vous faire un dessin de 10 heures dans cette vidéo, d'accord? C'est juste pour vous présenter la tablette et puis un petit peu, voilà, ce que je sais faire, et puis comme ça vous verrez l'avancement. Mais voici le fameux Majin Vegeta que j'ai réalisé pour cette petite vidéo intégration. En tout cas, merci à vous, n'hésitez pas, les petits pouces bleus, encore une fois, le lien dans la description avec le code promo SOFIAN5. Yeah! À présent, il est temps de passer aux invocations pour essayer d'obtenir le fameux Tenchinan. Vous le savez, pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, on avait réussi à choper le Buan, mais le Tenchinan, toujours pas. J'espère que ça va être dans cette vidéo. Comme vous le savez, j'ai pas trop forcé non plus sur ce portail All-Star, mais bon, ça me ferait plaisir quand même de l'avoir dans la box, surtout que c'est le seul Sparking qui me manque. Allez, on est parti. 3, 2, 1, yeah! Allez, on n'oublie pas, normalement, ce Tenchinan devrait avoir un contre Rising Rush qui n'est toujours pas présent dans le jeu. Voilà, pour l'instant, le contre n'est toujours pas présent. L'espace.
SSJ. On commence bien. Alors, on n'oublie pas si on a Badak. Non, malheureusement. Badak, ça aurait été bien, tu vois. Ça annonce le nouveau perso. Il n'y a pas de Broly, de toute façon. Ok, Sparking garanti. Quoi qu'il arrive, c'est normal. Vu qu'à chaque multi, il y a un Sparking garanti. Très bien. Goku-san. Ok, EX. Se dit pas. Piccolo, ok, alors je vais le prendre lui parce qu'il n'est pas 14 étoiles. J'aime bien cette carte, donc on prend. Je préfère ça plutôt que des persos 14 étoiles. Genre ça, tu vois, par exemple. Ça, c'est pas top, ça. Ok, donc là, il y a déjà eu deux Sparking. Très bien. Frost. Kamesumi. Cell Junior. Goku. Et là, c'est 18 type bleu. Bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Après, on prend parce que voilà, ça a permis de monter en étoile. Là, voilà, le Piccolo, 9 étoiles. Ça, c'est plutôt bien. Là, c'est 18, 10 étoiles. Par contre, le Vegeta, bon, bah, il est déjà 14 étoiles. On perd pas de temps, les amis. Let's go. On enchaîne. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. J'aimerais savoir si vous avez eu Buwan Tenshinhan ou si vous n'avez pas invoqué sur le portail pour garder vos cristaux. Dites-le moi également. 3, 2, 1. Ike ! Allez, c'est parti. Allez, le jeu fait plaisir. Allez, fait plaisir le jeu. S'il te plaît, le jeu fait plaisir. S'il te plaît, fais-moi plaisir. S'il te plaît, fais plaisir. S'il te plaît, le jeu fait plaisir. Les montagnes. Là, tu me fais plaisir. Badak ou pas? Animation Badak? Non. Ok. Tant qu'il n'y a pas d'animation de Trunks ou Badak, ça garantit pas du coup le Tenshinhan ou Buwan, tu vois. Mais bon. On continue. Ok. Whis. Whis. C'est ça qu'on veut voir, mesdames et messieurs. Dans les montagnes en plus, Whis, SSJ Blue, deux Sparkings garantis au minimum là. Du coup, deux Sparkings. Voyons voir. Après, je vous avoue, je dis à chaque fois, animation Badak ou pas. La vérité, j'aimerais trop voir Trunks arriver ou Badak, tu vois, dans l'animation. Comme ça, j'ai une chance sur deux d'obtenir le Tenshinhan, tu vois. Après, c'est ton jamais, tu vois. Avec Whis, tout ça, qui fait sa petite apparition, il peut me faire tomber le Tenshinhan, tu vois. Mais il me fait tomber ses 18 en survette. Tu vois, c'est pas pareil. Il y en a une, elle a des cheveux, l'autre, il est chaud. Tu vois, c'est pas la même chose. On pourrait pas avoir Tenshinhan. On pourrait pas avoir Tenshinhan, voilà. Et ben voilà. Bon bah voilà les montagnes, ça m'a fait plaisir, je disais on pouvait pas avoir Tenshinhan, on a eu Tenshinhan, incroyable les amis, j'ai tous les persos du jeu, j'ai tous les sparkings du jeu, j'ai tous les élèves du jeu. On est bien là les gars, oh là 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 là, comme quoi, hey, j'ai pas forcé sur ce portail, j'ai pris le temps, j'ai savouré, j'ai bien attendu, et on a eu le Tenshinhan, ça m'a pas coûté d'argent, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà pas mal, tu vois. Oh, t'as au pas. Tu peux venir, frère. Tu peux venir. Il n'y a pas de problème, frérot. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir. Il n'y a aucun problème. Oh, encore, ok. Bojack, type violet. J'aimerais bien, lui, les gars, qu'il ait un Zenkai. Je sais pas pour vous. Moi, j'aimerais bien. En vrai, de vrai, j'aimerais bien. Le Tenshinhan, les frérots, qui est là. Alors là, franchement, ça fait kiffer. Ça fait vraiment kiffer. Du coup, la C18, elle passe 14 étoiles. Ça fait kiffer aussi. Mais là, franchement, voilà. 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 Bon, il est 2 étoiles. Il est 2 étoiles, tu vois. Bon, ça, c'est par contre, voilà. Mais au moins, on l'a dans la box. Alors, est-ce qu'il y a encore les missions payées 2000 cristaux? Je pense pas. Elles ont dû foutre le camp. Je pense, tu vois. On peut payer 2000 cristaux c'est valable jusqu'à quand? Parce que j'ai pas envie de me faire douiller. 16 jours. Les amis, on paye, comme ça il va monter en étoile, le Tenshinhan. On va pouvoir le faire monter à 6 étoiles, on fera du coup les fameuses missions. Enfin bon, ça va être compliqué parce que moi je vais partir en vacances, tout ça. Mais bon, au moins voilà. Bon, il faudra que je fasse des combats, il faudra que je fasse des énergies, bon, on sait jamais. Hein, voilà, si j'ai un petit peu de temps de libre pendant mes vacances, pourquoi pas. On va également le mettre en entraînement. Bon, déjà, franchement, déjà je suis content. J'ai eu le Tenshinhan que je n'avais pas eu, justement. Bah, j'ai bien fait de faire cette vidéo à vocation avec vous, les amis. En parlant également, justement,
de mon manga, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Et cet après-midi, il y a le Reveal and Stuff. Rendez-vous à partir de 15h sur ma chaîne YouTube en live pour découvrir le ou les nouveaux persos, dont le nouveau LF, mais également la nouvelle mise à jour du jeu Dragon Ball Legends avec des améliorations PVP. Du coup, amélioration du gameplay également. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis, bah, j'espère que on arrêtera d'avoir des campeurs en face de nous en PVP. C'est vrai qu'il y en a. Des fois, on ne sait pas trop s'ils connaissent Dragon Ball ou quoi. Ça attend, tu vois. Bon, quand t'as migaté, je veux bien. Mais quand t'as pas migaté, c'est un peu compliqué. On verra bien, les amis. Sur ce, à tout à l'heure, en ce mardi, pour le Reveal and Stuff. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également et à réagir dans l'espace commentaire. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!